Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo des Pilates à la maison pour tous. On va commencer avec un échauffement comme ce qu'on a fait hier, mais on va faire un plus rapide, bien sûr, vous pouvez les faire un peu plus longtemps. Et aujourd'hui, on va travailler les abdos, les fessiers et on va faire les étirements, toujours avec Daniela et Noah. Allez, on va se commencer. Les pieds, largeur des hanches. On soulève bien les orteils, souple au niveau des jambes. On va commencer comme hier avec nos cercles, avec les épaules. Donc c'est très important, ça relâche les tensions. Allez, on inspire, on expire. Encore, on monte, on relâche. Même chose avec les bras, on monte. On rapproche vers l'arrière. Encore, on monte. On rapproche vers l'arrière. Une dernière. Et on reste, on va rajouter quelque chose qu'hier on n'a pas fait. On attrape les mains vers l'arrière. Souffle au niveau des jambes, mais sans bouger les dos, on ouvre les cœurs vers les ciels, on regarde vers les hauts. On relâche la tête vers les bas pour réchauffer aussi les cervicales et on recommence. On monte. On revient, on relâche vers les bas. Encore, on tire, on tire, on tire, on allonge. On freine, on revient. Bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez les faire 10 fois chaque mouvement. Nous, on fera un peu moins pour pas que ça dure trop longtemps, pour pas vous ennuyer. Mais bien sûr, vous pouvez les faire plus longtemps. Ensuite, on revient, souple au niveau des jambes. On reprend nos équilibres. Quelques instants, on reste. Et cette fois, aujourd'hui, on va rajouter des cercles au niveau des chevilles. Voilà, si ça craque un peu, c'est pas grave. Et si on tombe, c'est pas grave. On revient en place, on stabilise. On remet les mains en prière pour retrouver son centrage. Ouvrez épaules basses, poids du corps de l'autre côté. Et des cercles lentement. Dans un sens et dans l'autre. On va poser et on va ouvrir largeur du tapis. Comme hier, pour les genoux, c'est important. Des talons-fesses et on ajoute les bras parce qu'on a envie d'être tonique. Aujourd'hui, il fait beau, il y a soleil. Allez, si vous avez un bout de jardin, vous pouvez les faire dehors aussi. Prochaine vidéo, ça arrivera peut-être dehors aussi. On reste. Là, on va directement passer un squat. On les a déjà vus hier. Attention, on descend les genoux. Les fesses, pas plus bas que les genoux. On souffle, on monte. On rapproche bien les coudes vers l'arrière. Bien sûr, on n'a pas parlé du périnée, on va en parler après. Pensez toujours périnée légèrement contracté, nombril rentré. Allez, c'est parti. Une dizaine. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Sans oublier de rapprocher les coudes vers l'arrière. On allonge la colonne. Et c'est parti, on monte, on revient, encore, on monte, on descend, allez, encore, on monte, on revient, pareil, ça craque, c'est pas trop grave, et on reste au milieu, cercle, on pousse bien sur les côtés, et dans l'autre sens, pareil, vous en faites 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Ouais, non, on a fait un peu moins. Et bien sûr, vous pouvez faire des pauses. Hein. On pousse à droite et à gauche. Côté, côté. On reste au milieu. Souple au niveau des jambes et on ouvre. On revient. On inspire. On expire. Encore, on ouvre. On revient. On reste à l'ouverture. Souple au niveau des jambes et on fait des cercles avec les poignets. Dans un sens et dans l'autre. Et là, on va rajouter les doigts aussi. On ouvre et on ferme. On ouvre et on serre fort. On ouvre. Comme si on va attraper quelque chose de très, très, très large. On ouvre, on serre. On ouvre et on monte. On monte. On en va entrelacer les doigts et on tire. On tire et en même temps, on revient avec les pieds. Largeur des hanches. J'inspire et j'expire. Je fais des tout petits mouvements vers l'arrière. On tire. On tire. On tire. Et on revient. Allez, dernier échauffement pour la colonne. Les montants qui rentrent, on va descendre avec les jambes tendues. On va voir aussi notre souplesse. On va voir si dans un mois, on aura gagné un peu. Vous pouvez essayer de noter la descente que vous avez. Relâchez la tête, basculez en avant et en arrière. Faites des oui, faites des non. Flexion au niveau des jambes, on remonte. On remonte, vertèbre après vertèbre. Moi et non, on va n'en faire que deux. Vous pouvez en faire 10 pour avoir une séance un peu plus longue. On descend. Hier, on en a fait 3, aujourd'hui, on n'en a fait que 2 parce que vous les connaissez.
On relâche la tête, on fait des oui. On fait des non. Des oui. Et des non. Flexion au niveau des jambes, on remonte. Vertèbre après vertèbre. On contrôle. On contrôle. On revient. On garde les épaules basses. Et on revient. Avant de passer au sol, on va faire un équilibre. Et en même temps, on va commencer à étirer les quadriceps. Donc, on va mettre les genoux contre genoux, les épaules basses. Et si on peut, on va monter l'autre bras vers le ciel. Et on reste, on inspire. On souffle, on allonge, on tire, on tire, on tire. Si on bouge, c'est pas grave. On revient. On pose. On change de côté. Allez, on fléchit. On attrape les pieds, genoux contre genoux, les épaules basses. Inspirez. Expirez, on s'égrandit. Allez, pareil, si vous bougez, donc non, comme il fait non à ce moment, vous serrez un petit peu les abdos, vos périnées, vous allongez. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et ensuite, on revient tout doucement. Non, elle peut se mettre ça sur les tapis. Alors, on va descendre. Mets-toi plutôt au début du tapis, voilà. Les montants qui rentrent, on va descendre, vertèbre après vertèbre, comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'on ne va pas remonter. On contrôle, on va poser les mains, flexion des jambes, et on bouge un petit peu en avant, en arrière, en avant et en arrière, en avant et en arrière, et on va passer sur les mains et sur les genoux. Premier exercice, on va rester dans cette position, les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches, les épaules basses. Sous l'expire, on va décoller, bras droit, jambe gauche, on cherche à s'allonger, on freine, on revient. Et encore, on souffle, on allonge. Voilà, très bien, on essaie de ne pas bouger les bassins, mais restez bien stable. On tire, on freine, on revient. Et on change de côté, on souffle, on cherche l'allongement. Donc voilà, regardez l'erreur à ne pas faire, c'est à ne pas bouger sur les côtés, on freine, on revient. Vous les faites à votre rythme. Attention à la jambe, voyez, largeur. Hauteur de votre bassin, pas plus haut. Et vous restez les temps d'essouffler. La pointe aussi est bien étirée, mais sans créer des tensions au niveau du pied. C'est bien non, on continue comme ça. Allez, on souffle, attention à ne pas aller très haut. On tire, on tire, on tire, on tire. On freine, on revient. Encore, on expire, on allonge, on rentre les nombrils. On serre les périnées, on continue. Encore, à chaque fois on revient, position de départ, on tire, on allonge. Attention à la tête, on ne la relâche pas. Et on va rester sur une côté, on reste, on ne bouge pas, voilà. On reste, on garde la posture pour la fin. Et on essaie d'avoir les bras à côté, on monte un petit peu la tête. On reste, on tire, on tire, on tire, on garde les abdos serrés. On s'allonge, on revient, on pose. Dernière fois de l'autre côté, allez, on expire. On allonge, on garde les bassins stables. On tire, on tire, on tire, sans toucher les plantes, on allonge. Et ensuite, on peut relâcher, on récupère. Position de récupération, les fesses sous les talons, les bras étirés vers l'avant, on pousse les fronts au sol et on se laisse bouger à droite et à gauche. Côté, côté, on revient et ensuite on va passer sous les mains, sous les genoux. On va cambrer, on va faire les chats, on cambre, on regarde là-haut et on expire, on arrondit, on pousse les fesses vers l'arrière, on peut passer aussi au niveau du bout des doigts. Ça met les fesses au sol, ça met les fesses vers les talons. Et on revient, on pose bien les mains, on inspire, on regarde en haut. Et on expire, on cambre. Vas-y, on continue, on continue, on continue. On arrondit, on relâche bien la tête cette fois. Voilà. Et le but, c'est vraiment d'étirer au niveau des lombaires, d'étirer ici. On revient et on cambre, encore une fois. Mobilité de la colonne, c'est très important. Encore une fois. Et en une dernière. Et on récupère. Cette fois, les fesses sous les talons, les mains à côté des pieds. On pose les fronts, on relâche la tête. On bouge à droite, à gauche. Côté, côté. Et on va passer sur les ventres. Alors, les amis, vous savez que j'adore les gainages. Donc, on va commencer. C'est notre premier gainage sur les vidéos. Donc, je vous invite à vous chronométrer, si vous voulez, pour voir combien vous restez aujourd'hui et combien vous restez dans un mois. Ok? Donc, les consignes. On a les coudes, largeur des épaules. On va descendre les épaules vers l'arrière comme quand on a fait les cercles pour l'échauffement. Les orteils vers l'avant,
C'est très important de serrer votre périnée, de rentrer le nombril et surtout de respirer, on reste pas en apnée. Allez, c'est parti, j'inspire et hop, c'est parti, j'expire. Vous pouvez commencer à mettre votre chrono. Si vous ne l'avez pas mis aujourd'hui, c'est bon, non, moi j'ai mis pour toi de la tête. On reste ici, voilà. Bien évidemment, vous écoutez toujours votre corps, c'est lui qui a raison. C'est surtout pas moi. Donc, vous écoutez. Si ça tire au dos, vous relâchez, vous posez les genoux. Si ça tire sur les abdos, c'est bon signe, donc vous restez. Ça ne doit pas non plus faire trop mal aux épaules. Donc, les consignes que je peux vous donner, c'est de ramener les poids du corps plutôt vers l'arrière, voilà, pour soulager, pour relâcher les tensions au niveau des épaules, plutôt que vers l'avant. Et on ne bouge pas à droite à gauche. Les pieds, pareil, c'est largeur des hanches. Donc, on essaie de les garder un peu plus ouverts. Et l'erreur que souvent les gens font, je vois dans mes cours, c'est de monter les fesses. Non, 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 les fesses resteront ici. Ça va, Noa? Allez, on reste encore 10 secondes, mais bien sûr, vous pouvez rester un peu plus si vous êtes en train de vous chronométrer. Je vous invite aussi, bien sûr, vous pouvez les refaire tranquillement à votre rythme. Vous prenez un bon chrono et vous relâchez, vous soufflez. Bravo, parce que ce n'est pas évident. On récupère avec les bras vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Restez dans cette position, les récupérations, vous pouvez la prendre à chaque fois que vous avez besoin. Donc, n'oubliez pas de noter votre score pour votre gainage. Ce n'est pas du tout une compète, mais c'est juste pour voir si l'exercice, les entraînements qu'on va commencer à faire, ça apporte des résultats ou pas. Normalement, si vous les faites régulièrement, oui, ça va. Allez, on revient. Et dans cette position, on vient s'asseoir, jambes croisées, vers la caméra, moi. Voilà. Avant de passer au sol, vous inspirez, vous allongez, regard vers le haut. Et sous l'expire, on va bien relâcher vers l'arrière. Voilà. On relâche les tensions. On se laisse bien tomber vers l'arrière. Et on repart. Ça, pareil, c'est juste des petites transitions pour l'exercice qu'on va faire après. On inspire, on regarde à haut. On expire, on relâche. Et encore. Très bien. On inspire, on allonge. En expirant, on relâche. Donc, c'est juste de la détente. En même temps, ça nous permet de prendre conscience de notre colonne. Ressentez votre colonne quand elle est droite. Et ressentez votre dos, votre colonne quand elle s'arrondit. Et en même temps, on va commencer à parler un peu de notre périnée. On aura bien sûr une séance spéciale périnée pour comprendre un peu plus. Mais juste essayer de voir, est-ce que quand vous faites ces mouvements, votre périnée, vous les contractez ou pas? Voilà, juste constater, c'est de porter l'attention à cette muscle du corps qui est assez inconnu. Je vous rappelle qu'on a tous un périnée, hommes et femmes, les enfants aussi, on a un périnée. Allez, une dernière, on reste en arrière, on arrondit, on bascule un petit peu à droite à gauche, côté, côté, droite et gauche, on revient. Et là, je vais vous inviter à passer allongé sous les tapis. Donc, on prend les temps. Voilà, on descend lentement. On prend les temps de soulever la tête pour bien la placer au milieu. Je vais vous montrer la position de récupération. Donc, à n'importe quel moment, si vous sentez que c'est un exercice dur, vous avez mal au dos, vous venez dans cette position. Allez, on va commencer avec les bridges, les ponts en pilates. Donc, on va poser les pieds largeur des hanches. Voilà, donc ce n'est pas un pont comme on connaît, c'est un pont différent. Donc, on va garder les mains au long du corps. Moi, je vais enseigner avec les paumes des mains vers le ciel pour avoir une ouverture des pectoraux, un étirement des pectoraux, une ouverture de la cage thoracique. Donc, vous devez sentir vos pieds bien ancrés au sol, on soulève les orteils. Les dos légèrement cambré à votre cambre naturel, périnée légèrement contracté, abdos légèrement serré. C'est parti, j'expire, je monte. Donc j'ai ma contraction des fessiers, ischio-jambier, et j'ai comme une ligne entre les genoux et mes épaules. J'inspire, je suis à haut, et sous l'expire, je descends vertèbre après vertèbre. Je contrôle, je contrôle. J'arrondis les bas du dos, j'aplatis les lombaires et je reviens à neutre. La tête restera toujours au sol. Allez, on répare. J'expire, je monte. Inspire, stabilise. Expire, descend. Vertèbre après vertèbre.
Donc je pose, je reviens sur l'inspire et on répare. J'expire, je monte, j'appuie l'arrière des bras. Je contrôle lentement. Et ainsi de suite. Vous le faites 10 fois. Je vais corriger Noah pour aussi vous montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire, surtout quand on est débutant. Donc attention, voilà, la main il est montée un petit peu trop haut. On reste, parce qu'on imagine la ligne, épaule jusqu'au genou. Et on descend lentement, vertèbre après vertèbre. Les pieds, c'est largeur des vos hanches. Et c'est important d'activer les mains. Donc vous appuyez l'arrière des bras avec les épaules au sol. Ça va, non? Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de relâcher les ouvertures, d'ouvrir les genoux. Donc on garde les abdos serrés et on garde aussi la force au niveau des cuisses pour pas s'ouvrir. Donc je vous rappelle qu'un des principes du Pilates, on aura le temps aussi de voir ça, c'est les contrôles. C'est les contrôles de chaque muscle. Donc même quand on monte, on travaille les fesses, il faut contrôler les autres. Attention à ne pas bouger à droite, à gauche. Encore. Allez, c'est bien. C'est très bien. On contrôle, on freine. Allez. Donc je vous rappelle, un Pilates, on travaille sur 10 répétitions. On y va. Encore. 2 fois comme ça. Et une dernière. La prochaine fois qu'on a, on va rester à haut. On appuie bien les mains au sol, on fait des tout petits mouvements, juste pour activer un peu plus. Encore. On serre, et on va descendre vertèbre après vertèbre. On arrondit les bas du dos et on va attraper les genoux. Très bien, bravo. On fait des cercles larges, juste pour relâcher un peu. On appuie, on ouvre. Encore, on tire. Gardez la tête au sol. Changez de sens, milieu, devant, côté, milieu, encore une fois. Et vous allez poser les deux pieds au sol, main derrière la tête, on ouvre les coudes. Alors, les prochains exercices, c'est des abdos classiques. Mais si on les fait bien, on travaille en profondeur, sans forcer trop au niveau des viscères. On souffle, on monte, on inspire, on revient, on ne monte pas très haut. Et on expire, on répare. Allez-y, à votre rythme. Vous inspirez, vous montez. On essaie de ne pas écraser les bas du dos au sol. On respecte toujours la cambrure naturelle. On imagine qu'on a une petite mandarine entre les mentons et la gorge. Et la respiration, c'est important. Donc, vous soufflez quand vous montez. Vous inspirez en descente. Encore, j'expire. J'inspire, je reviens. Encore, j'expire. J'inspire. Allez, encore 4 comme ça. Encore 2. Et une dernière aller-retour. Et on va relâcher la tête. Cette fois, on ouvre les bras en croix, on va tourner la tête à droite, à gauche. Côté, milieu, côté, milieu. On arrive à la fin. Allez, dernier exercice, toujours pour traîner un petit peu les abdos, les cuisses avant de s'étirer. Extension des jambes si on veut, on va permettre de voir aussi la stabilité qu'on a. Donc si ça tire au dos, je peux fléchir un petit peu les jambes. Si ça va, j'allonge bien vers les sièges. Donc on verra si on travaille la souplesse dans un mois, si on est un peu mieux ou pas. Les bras en ouverture, paume des mains vers les sièges. Je vais garder les genoux à l'aplomb des hanches. Et flexion, je vais ramener les talons vers les fesses. Extension, j'allonge. Allez, c'est parti. 10 comme ça. J'expire. Donc là, on est sous les cuisses. On est sous les abdos, bien sûr. Et en même temps, on contrôle les dos. Et je garde aussi contraction de mes deux genoux un contre l'autre. Allez, flexion. On souffle. On revient. Allez, très bien. On va garder les deux mains au sol. On appuie un peu. Encore, on souffle, on allonge. On inspire, on revient. Allez, courage. Extension, flexion. Extension, flexion. Et on reste à haut. J'inspire les deux bras vers l'arrière. Je tire, je tire, je tire, je reste. Je reste, j'allonge la colonne. Tirez bien la pointe. Et sous l'expire, on revient, on va arrondir les bas du dos, je bascule droite et gauche. Et on va commencer à s'étirer. Alors, pied droit au sol, pied gauche vers le haut. Si on n'a rien,
On peut très bien attraper soit la cuisse, soit les mollets, soit les pieds et on souffle en tire. Restez dans cette position avec les pieds flex. Si vous avez un élastique chez vous, vous pouvez les prendre. Voilà, on peut les faire passer derrière. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre une serviette, c'est la même chose. Et ça va nous permettre d'aller soulager un petit peu les bras. Donc j'expire, j'étire. On fait des tout petits cercles dans l'autre sens. J'inspire, je souffle. Et on relâche. Bien sûr, vous pouvez rester un peu plus longtemps parce qu'on a le temps. Et on change de côté. Extension. Donc si on n'a rien, hop, ça peut être cuisse, mollet, pied. Mais avec l'élastique, on a moins de tension. Donc quand j'expire, j'étire. Une autre option, si on préfère, on peut relâcher l'autre jambe au sol. Et je cherche à bien étirer. J'allonge la colonne, je repousse bien les talons. À chaque fois que vous soufflez, vous tirez un peu plus. On allonge. Et on peut relâcher. Aujourd'hui, on va tirer aussi les fessiers. Donc, pied droit au sol. Pied gauche sous les genoux opposés. Je pousse les genoux à l'extérieur. Si on n'est pas souple, on peut rester sur ça. Si on veut attraper, on peut attraper la cuisse ou les genoux. Et je remets toujours ma tête au sol. Allez, vous soufflez, vous tirez. Je vous rappelle que l'étirement, pour être efficace, il faut minimum les garder 30-40 secondes. On a beaucoup de temps, nous, à ces moments. Donc, vous pouvez les garder même 1, 2, 3 minutes. Nous, on va les relâcher à 20 pour ne pas vous fatiguer. On change. Et on y va de l'autre côté. Allez, la même chose. Nous, on est là juste pour vous montrer. Et bien sûr, vous pouvez rester un peu longtemps. Allez, on fait la même chose. On souffle. On attrape. C'est l'autre jambe qu'on attrape. Ici. Voilà, on décolle. On tire. Non, fais passer tes mains en bas. Là, comme ça. Voilà, on reste. Allez, on respire profondément. Encore deux respirations. Et ensuite, on va relâcher. Allez, on va s'allonger. On arrive à la fin de la séance. Je veux juste vous faire un petit gong pour la fin. Donc, on peut relâcher. On allonge les jambes. On va poser les mains en ouverture. Voilà, très bien. Fermez les yeux. C'est important, ça fait partie du cours. Donc, la détente, c'est très important. On aura l'occasion de parler un peu plus de la détente aussi. J'aime bien terminer toujours mes cours sur, avec les bols tibétains. On reprend notre respiration du ventre. Des respirations complètes, on ferme les yeux, on relâche les mâchoires. Et on se concentre que sur les sons du bol. Je ne sais pas si ça va bien sortir sur la caméra, mais on va tester. Vous êtes bien étendu, que vous avez envie de rester un peu longtemps allongé, n'hésitez pas à rester. On arrive à mieux se détendre une fois qu'on a activé un petit peu les corps. Donc vous pouvez rester quelques instants de plus. Moi je vous dis à bientôt et je vous envoie plein d'amour comme d'habitude. Merci à Noah. Ciao ciao.